écrit, télévisé, les médias en ligne qui répondent présents dans la conférence pour la presse. Parti socio-politique du Haïti a fait une conférence de presse pour nous rappeler à nos Haïtiens. Suite à la dénonciation de la chèque que nous avons fait au niveau du ministère de l'Intérieur, nous ne pas suspendre nous recevoir des menaces, nous ne pas suspendre peine de peur, nous ne pas suspendre intimider nous. Mais nous venons dire, nous pas peur, nous pas jamais peur. Au contraire, nous venons de nos forces pour nous mener plus d'enquêtes. D'ailleurs, notre travail pour nous la souveraine gagote toujours, qui fait dans le ministère de l'Intérieur, sous question contrat et sous question l'autre chèque qui baille. Deuxièmement, notre travail toujours, sous question gagote, l'argent qui fait au niveau du ministère de planification. Et troisièmement, notre travail tout, sur une série de gagotes, l'autre scandale, contrat, 300 000 gouttes, 400 000 gouttes, 500 000 gouttes, qui baille au niveau par le national, qui va même bien le président là-dedans. Donc nous-mêmes, notre travail sur ça, les affaires nous viennent dire, nous, qu'on fait nous peur, pas fait du temps, parce que nous-mêmes, nous clair, le pays n'a pas de parlement là-dedans qui peut contrôler l'action, pouvoir faire, nous-mêmes, nous baillons tête nous mission ça. Et c'est mission ça, nous baillons tête nous, qui fait nos pile cartouches avec pile armes. Qui était débarqué dans le port, eh bien, port du PA, eh bien, nous menons enquête par nous. Et dans l'enquête que nous menons, nous venons effectivement des pile cartouches avec pile armes qui débarquaient. Tu déjà une machine officielle, et même plusieurs machines officielles, qui déjà sous les lieux pour te retenir le matériel. Ça. Qui direction le palais national. Et pour qui ça c'est dans le palais où tu as parlé, c'est parce que, eh bien, le secrétaire général palais a qui là, nous voulons parler de Josie Bienvenu. Tu as déjà demandé à la direction générale de la police pour changer les policiers qui sont dans lui. Eh bien, la direction générale de la police a clairement dit, monsieur, non, il n'est pas capable. Et il s'est demandé encore pour avoir un matériel avec l'autre équipement neuf pour parler national. La direction générale de la police a dit, dans bang, il n'y a pas rien. Suite avec un rien que vous avez joué, vous avez fait des marches au niveau de l'international et ça fait que le matériel est débarqué dans le pays. Et pour qui ça s'est parlé ou t'as parlé, eh bien, Josué Bienvenu, nous connaissons qui a soif de pouvoir, qui a un long palais qui vide, qui n'a pas de président, qui a un premier ministre qui n'a pas de rien, eh bien, qui n'a pas obéi à Matéli encore tout, eh bien, monsieur Tanya avec Matéli, pour te planifier un coup d'État avec matériel ça. Et coup d'État ça, pour te mettre qui est-ce comme président? C'est Matéli qui a choisi qui est à mettre comme président. Bon façon pour faire élection pour lui, pour le capable de tourner dans tête pays encore. Donc je dis, l'on est sorti dans la question de Jacques. L'on est sorti dans le à la on fait corruption. Et je dis, là, on fait manœuvre pour l'État. Tout le monde connaît Viva Haïti, hostile avec Ariel. Nous ne sommes pas d'accord avec la forme de gouvernance Ariel. Mais il faut nous songer tout pour le premier président qui a assassiné déjà, qui vient paraître l'aide devant le monde. Et je dis encore, pour nous, il y a un monnaie pour assassiner un deuxième président, et ceci même groupe Mouni. Donc je dis là, nous venons demander avec DCPJ. Pour qui ça, qui quitte côté cadavre là, il y a crié bon secret. Nous venons demander avec la justice tout si gagné. Pour qui ça, c'est beaucoup secret là, il y a crié et oublié cadavre là. Alors que le commissaire gouvernement a toute information. D'ailleurs, il y a tellement d'informations. Je ne vais pas dire participer dans le coup d'État. Mais c'est ça qu'on a dit. Le pour pas qu'il a été écrasé. Je sais qu'on est très bien, c'est qu'il y a un substitut commissaire gouvernement qui est là-dedans. C'est qu'il y a un monde qui est là-dedans. Pas qu'il a écrasé quand même. Il y a un style qui est venu comme commissaire gouvernement. Mais je dis là, ce n'est qu'il ne peut pas remettre rien dans la justice. Là. Le commissaire gouvernement pendant deux ou trois fois déjà. Pénitentiaire nationale bourré avec le monde. Pas jamais gagné un décongestionnement de fait. Au niveau pénitentiaire, mais je dis à monsieur bataille pour le capable de bénir justice. Alors, comme je l'ai dit, Haïti nous condamné pour l'été côté nous y a là. Nous-mêmes nous voulons dire. Nous d'accord pour Ariel sortir dans notre pays à tout gouvernement là. Mais son rapport politique, ou bien ce peuple a clévé campé le fond chambardement. Mais question coup d'État, assassiner président, ou bien assassiner premier ministre, Viva Haïti ne peut pas accepter. Et quel que soit le monde qui fait là, ou bien qui implique là-dedans, n'a pas campé en face. Donc je dis à nous devons dire. Faut le peuple connaître la lumière, ou bien faut le peuple ouais, ou bien faut au courant de ce qui a passé, parce que pile cartouche qui débarque, il n'y a pas débarqué comme ça. Pile zam qui débarque, il n'y a pas débarqué comme ça. Je vais finir pour me dire avec Michel Barthé. On a quitté le président pays déjà. Non, c'était dans le kidnapping, non, c'était dans tous les présidents,
non cité dans monter groupe gang, non cité dans massacre qui a fait en dedans quartier populaire, non cité dans mettre base gang tout côté. Jodi en là encore, derrière non qui cité dans l'amour Jovenel, il y a coup d'état qui a préparé. Nous venons dire, DG la police. Prends responsabilité dans le dossier ça. Même si on a boumé pour mettre l'ordre dans le pays, pour mettre la sécurité dans le pays, nous croyons que c'est une preuve palpable. On s'est donné à impliquer pour jeter le président, pour jeter le premier ministre, pour monter par eux, faites pour prendre responsabilité dans le dossier ça. À bon entendre ça. Il y a en dedans société ça. Dans le pays ça, il est grave, en pile. C'est peut-être ça. En dedans parti politique de Haïti. Vos chita de très souvent pour nous garder. Qui route, qui direction est en plein avec le pays ça. Ça que la journée aujourd'hui là, on garde bien, on fait constat pour mettre ça en produit. En dedans pays là, on n'y est pas fonctionné. On n'y est pas fonctionné. État lamentable ça, situation de là, on garde bien, il produit insécurité. Infernal. Il produit pour la vie chère. Il établit un état de corruption en dedans appareil l'État. Gagote fait tribord à bord. La vie chère, chômage augmenté. Mais pour l'autre bagage qui est plus grave encore, qu'il commence à produire, c'est stress. La caille. En pile, tout le monde, en dedans pays, à coup de pays. En nouveau, j'ai une gardia. On a besoin de la caille, un petit détail, même pour toi. Mais là, on te dit ce qui a passé là. Mais, si toutefois, classe politique, société civile, artisans, musiciens, musicien, ou addition, t'es pris conscience, ou chita pense, sans démagogie, pour mettre des problèmes pays ça sous table, sans parti pris, sans ça ou elle est esprit fanatique là, on garde pays, pour qui j'en sa ta belle. C'est pour dire ça nous-mêmes dans le domaine d'Haïti. On a gardé nous depuis quelques années. Bon parole qui dans l'air, c'est négociation, c'est entente, c'est discussion. Il n'y a pas jamais abouti à rien. N'est que fait coquin, j'en ouvre. N'est que fait mettre dame, j'en ouvre. Je l'ai jeudi, depuis 2-3 semaines, plus de 2 mois. Ensemble de monde, la classe politique a suivi. Qui chita qui a discuté. Son ensemble de accords. Depuis 2-3 jours, nous avons des coquets comme on s'est pété. Ça qui a pu tirer comme ça, qui dit pas la donne. Regardez bien. Nous-mêmes, en dedans d'Haïti, nous prenons, battons nous, battons pèlerin nous. Nous demandons de retourner sur la discussion. On nous retire bon négociation. On nous retourne sur table discussion. Parce que la population, depuis autant de négociations, il y a une grande tendance à se partager avec le pays. Il n'y a pas qu'à fonctionner comme ça. Le pays n'a pas dirigé comme ça. On nous discute pour voir qui est bon pour la société. Au moins, on a préparé pour avoir un peu de vie, pour avoir une société qui est préparée. Il ne faut pas oublier pour finir. Il y a des gens qui avant nous qui travaillent. Ils ne vont pas quitter l'État. C'est nous, on garde bien, c'est nous qui créons propre État. On fait mesdames, nous fait coquettes. On va y dire exemple, je dis. Pour tout le monde,
retournez sur table discussion pour remettre le pays à sous la démocratie. Très remercie. À bon entendeur. Salut. Ok. Si moi négatif, t'es comme un menti pour que tu te fasses. Lundi 18 juillet dernier, Vive Haïti débat et conférence de presse. À travers conférence de presse, nous te présentons copie nos chèques qui sortit au niveau du ministère de l'Intérieur qui allait jouer une collectivité, sous forme agent collectivité territoriale dans le Nord. Nous avons dénoncé la corruption de le ministre Kitel avec Amos Zéphirin a fait au niveau du ministère de l'Intérieur. Et je vais vous toujours dire, je vous dis à monter sur notre tribunal et la descendre et descendre dans notre monde. L'argent qui est débloqué au niveau du ministère de l'Intérieur, qui allait vers une collectivité territoriale dans le Nord, l'argent est débloqué dans nos collectivités, mais les gens qui ont bénéficié, c'est des gens politiques qui ont bénéficié. De faire collectivité à servir des passoires, de faire servir des couloirs, des tuyaux pour faire et ça les corruptions, pour qu'on fait l'argent. Semaine dernière, et 18 ans, 18 juillet, la débat conférence a nous été annoncé au niveau de Viva Haïti. Dossier ça, ne pas quitter le conseil. Nous avons dit d'un côté, nous avons écrit effectivement, nous avons adressé 4 correspondances par 4 institutions dans l'État. Nous avons adressé une correspondance par le Premier ministre Ariel Henry avec Propi Chèque qui accompagne l'État. Nous avons adressé une correspondance par ULCC. Donc on est qui là pour enquêter sur le cas de corruption qui gagne dans l'administration publique. Nous avons adressé une autre correspondance par le Cour supérieur des comptes qui est là pour enquêter sur l'argent qui est débloqué et destination finale à qui ça a abouti. Et en dernier lieu, nous adressons une correspondance tout par BAF, un bureau qui est là dans le DCPJ pour enquêter sur le crime financier. Et nous demandons pour prendre responsabilité parce que dossier ça, même gens nous-mêmes, en deux partis politiques Viva Haïti, mais société, tu as aimé lumière faite sur le cas parce que c'est grave pour nos ministres, tant que Liz Kitel avec Amos Zéphirin a débloqué 16 millions de gouttes pour un cartel Kazek. Pour faire qui ça, nous ne connaissons pas. Alors que la loi claire, il dit, mais quand c'était comme qui a débloqué pour un cartel Kazek qui n'a pas dû dépasser 1 million de gouttes, nous jouons Liz Kitel qui a débloqué plus que 16 millions de gouttes pour un cartel Kazek, c'est ça que fait. Nous-mêmes, l'aide de dénoncer, l'aide de dire d'avoir fait l'institution ça, effectivement, nous dénoncer l'institution ça. Mais ça qui est plus grave là, dans tout ça, gagner petit volet et gros volet. Pendant qu'on dénonce le volet, vous pensez que l'autre volet tout, pour prendre précaution, pour ne pas dénoncer, pour ne pas rentrer dans le volet, et vous venez jouer le volet, ça est plus à l'aise. Pendant qu'on dénonce l'autre volet, voler ça, il n'y a pas qu'à voler encore, il y a même pour profiter pour voler plus. Qui ça veut dire par là? Ministre financier qui estime gagot corruption qu'a fait dans le ministère de l'Intérieur à travers fonds collectivité territoriale, ministre financier mandé avec ministre intérieur, fonds collectivité territoriale, il n'y a pas droit d'utiliser encore, il n'y a pas accès avec fonds ça encore. Désormais, de transférer fonds et collectivités au niveau du trésor public. Elle dit seulement, moun qui gen droit, l'unique moun qui gen droit pour décaisser l'argent en dan fonds collectivités, c'est le ministre financier, et Patrick Boisvert seulement qui gen droit décaisser l'argent dans fonds collectivités. Alors que, non, il y a un décret qui est sorti le 28 mars. 1996, qui t'a pral créé fonds sous collectivité territoriale, en deux décrets, il dit qui j'en font collectivité ou comment vous gérer. Par contre, qu'un côté, en deux décrets, ça, il parlait de ministère de finances. Je dis, dénonciation Viva Haïti, nous ne parlons pas de ministre de finances.
pour rendre service à la société. Nous ne demandons pas de ministre de finances pour rendre service à la population. Nous demandons la loi, nous demandons la justice, nous demandons la police pour assumer la responsabilité dans la bataille contre la corruption dans le pays, dans la gagote qu'a fait dans l'État. C'est ça que nous demandons. Au lieu, l'autorité, ils permettent la justice avec la police agir, mais c'est eux-mêmes qui ont réglé ces affaires par eux. Qui ça ne vient comprendre? Qui ça ne vient comprendre? Et le ministre de finances estime que Gagot qui a fait en 2007 l'intérieur de parti politique qui a bénéficié des Gagot de corruption en dans le ministère de l'intérieur. Donc, lui-même, il rapatrie l'argent, il transfère les fonds sous l'ordre lui-même. L'argent ça l'a débloqué, c'est pour au bénéfice des partis politiques côté sortiant pour l'argent ça va le décaisser. Voilà, mais dans quelle situation y est en pays a, donc son pays qui gangrené dans la question gagote corruption en pays a, gagote corruption qui a fait dans tout niveau en dans l'État. Et c'est ça, nous-mêmes au niveau parti politique Viva Haïti, nous continuons à prendre responsabilité nous pour nous dénoncer la question corruption en dans l'État, même si. Autorité journée quotidien, yo même yo monté au d'accord avec corruption, mais nous même nous continuons pour responsabilité nous, parce que yo jour qui jour, nous connaît la justice a bien pour l'agir quand même, tout le monde qui est impliqué dans voler l'argent pays. Donc l'autre côté, nous même au niveau Viva Haïti, la base, même gens avec société à la base, un gros bravo au directeur général de la police, au état-major de la police et toute force spécialisée. La police en général, nous battons un gros coup de bravo. Et nous-mêmes, étonnement par nous qui votons sortir. Même policier qui l'a eu, c'est eux qui étaient là sur LB, c'est eux-mêmes qui étaient là sur Léon Charles. C'est eux qui étaient là sur Normil Rameau, c'est eux-mêmes qui étaient là sur Léon Charles. Et c'est même policier ça qui vient là encore sous France LB. Nous avons posé nos questions. Pour qui ça? Sous Normil Rameau, sous Léon Charles, résultat policier ça y a bail jour et jour là, pour qui ça y a pas de bail sous des directeurs généraux ça y a. Donc nous venons comprendre, directeur général ça y a, il était dans connivence avec bandits, avec gangs, c'est ça qui fait gangs, il était qui facilité pour être tué policier, pour être fait massacre, pour être foncé des bagages dans la société, pour être initié question kidnapping non, pendant 2 ans là, en dans le pays. Donc, tout bagage doit être fait sous leadership de directeur général qui passait de directeur général. Ça nous devons parler de Normil Rameau et Léon Charles. C'est sous leadership. Tout le monde a des autres qui ont fait dans le temps. Je dis, l'engagement des résultats, la police nationale à bail, nous dit bravo LB, nous dit bravo policiers, nous dit bravo pour l'état-major la police. Et seulement nous-mêmes, nous avons demandé, continuer à demander avec l'autorité en place. La police nationale a véritablement, je dis, il a besoin de moyens. Il a besoin de matériel pour la bataille contre Gagnon. On sentit qu'on volonté la police pour la bataille contre Gagnon. Parce que sous 2 anciens directeurs généraux de la police, pas un jour, nous ne pouvons pas entendre qu'un bandit stoppé. Pas un jour, nous ne pouvons pas entendre qu'il y a un cas de kidnapping qui a avorté, qui a dévié. Pas un jour, nous partons des gros otages qui ont été libérés dans mes gangs. Je dis, au fur et à mesure, et à avancer, nous sentons qu'on travaille, qu'a fait contre les gangs dans la société. C'est ça que fait nous-mêmes. Je dis, nous venons. Nous ne venons pas dire pas de bravo avec France LB. Et puis pour qu'on ait la société à camper derrière, tout ça l'a fait. Non. Nous disons, c'est ça que fait là, nous estimons qu'ils ont commencé par résultat. Nous devons continuer sur le même lancer. Nous avons besoin de matériel, nous devons continuer à faire pression sur les autorités pour avoir des moyens, pour avoir des matériels, pour la police nationale, pour faire travailler dans la bataille contre l'insécurité, contre le kidnapping dans le pays. Mais demain, si Dieu veut, LB a dépassé le rail là. Vous pouvez jouer le sac, on vit à Haïti tout. Qui campait en façon, ça veut dire que nous n'avons pas de problème avec personne. Nous avons des problèmes avec tout le monde qui comprend qu'il a détruit Haïti, qu'il a détruit la société, qu'il a détruit la jeunesse haïtienne. Merci beaucoup.